tous les successeurs. Pour aujourd'hui, une vidéo à la fois, on va vous faire découvrir un petit jeu et en même temps, on va y jouer un peu, pas totalement parce que la partie serait trop longue, mais ben on va essayer de découvrir un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit de Disney Défi, donc vous savez que je m'y connais bien en jeu, mais je ne le connaissais pas. C'est Princesse qui me l'a offert pour Noël. J'ai dit, oh, c'est quoi? Donc on vous avoue, on l'a déjà ouvert, on a déjà regardé en quoi ça consiste. Ça a l'air très cool, c'est vraiment des défis en rapport avec Disney. C'est, par contre, voilà, c'est un jeu, contrairement à d'autres, comme Villain House, par exemple, que je vous ai déjà présenté, bon, je ne laisse pas attention, comme Villain House, si vous ne connaissez pas Disney, vous pouvez y jouer. Comme il y a des jeux d'Harry Potter qu'on peut jouer sans connaître Harry Potter. Là, il faut vraiment connaître. Là, il faut être entre fans de Disney, donc normalement, si vous êtes ici, c'est que vous l'êtes un peu. Donc du coup, on va essayer de regarder ensemble. Donc voilà, le jeu, c'est génial comment ça se présente en fait, parce que la boîte s'ouvre. C'est le plateau. Et c'est le plateau. Et le but, c'est d'avoir un peu comme le Trivial Poursuite, on va dire, une carte de chaque, pour gagner. C'est pas une course, c'est pas une. Donc ça va faire. Non, voilà, c'est ça. C'est que c'est pas une course. On n'est pas tous en compétition l'un contre l'autre. Le but, c'est d'arriver de départ et arriver à la fin. Voilà, il y a vraiment des différents thèmes. Apparemment, c'est un personnage sur chaque carte. Et il y a différentes catégories. Il peut y avoir donc de ce qu'on a vu, des mimes, du chant, du dessin. C'est ça. Et après, je sais plus. Le mime, du chant, du... Bon, on va pas faire le dessin parce que pour vous, ça va pas être. Mais donc on a, alors en thème, on a à poil ou à plume, petit grain de folie, green power, méchant caractère. Trésor couronné, pro de la techno, héros au grand cœur, et magie et sortilège, et petit mais costaud. J'ai cru dire cocktail. J'ai lu cocktail aussi. Petit mais cocktail. Et t'avais dit couronne. Tête couronnée. Ouais, alors que c'est tête couronnée. Je sais plus. J'avais dit quoi? Je sais plus. Bon, bref, c'est pas trésor couronné. Trésor couronné. Donc voilà, donc je vais vous dire en gros ce qu'il y a. Par exemple, on a donc mimé. Dessiner, chanter, donc il faut chanter. On peut la meumeumer. Voilà, c'est ça, si on ne la connaît pas. Et la personne en face doit trouver et elle gagne. Bon, là, on va pas y jouer vraiment, donc, mais c'est juste pour qu'on fasse quelques défis avec vous. Du coup, on va commencer. Donc, toi, choisis un thème et je pioche et. On va voir. Petit grain de folie. D'accord. Donc, c'est un personnage en rapport avec petit grain de folie. Donc, je vais te mimer le personnage. Mmh. Ça va être beau. Je sais pas comment faire ça. Qu'est-ce que c'est? Faut que je le mime, il faut pas que je te le fasse. Donc, oui, je comprends bien. C'est un animal. C'est un chat? Je sais pas si on aura de faire ça, mais bon, sinon la vidéo va être trop longue pour vous, du coup. C'est un chat, le chat du Cheshire. Bravo! Donc là, elle aurait gagné la carte. C'était bien le chat du Cheshire. Donc le problème, c'est quoi là? Là, par exemple, je pourrais pas. Enfin, si, je peux essayer de te faire deviner. C'était quoi le truc? Il y a une branche. D'accord. Oui, aussi, la branche, c'est pas évident, mais. Maintenant, voilà, je peux pas la garder parce que sinon ça va me demander de chantonner. Je me doute laquelle tu vas me chantonner. Donc voilà, donc, on connaît. Donc on va recommencer encore, encore toi tu choisis et je te le fais deviner parce que cette fois je vais lui faire deviner une musique. Alors, et après on fera pareil. J'ai lu magie et surgelé, non mais maintenant t'es quoi? Poisson pâté. Petit corail, croustibat. Je peux te battre. Tiens, méchant. Allez, j'étais sûr, j'adore les méchants. Ouais. Par contre attention, il y a vraiment des... C'est un jeu très, très récent parce qu'on a vu qu'il y avait des personnages de Soul et tout. Donc perso, je pourrais pas deviner, je l'ai pas élu. Ah, en faisant en plus des trucs. Mais tu vas la deviner tout de suite. Attends, il faut vraiment que je la chante ou que je... Attends, parce que si je chante les paroles, tu vas deviner tout de suite. Si c'est vraiment pour gros fans de Disney, c'est trop facile. Excusez-nous, on découvre un peu. Ou alors, faut chanter dès le départ. Et là, on s'en croit. Normalement, il y a 1 minute 30. Pas chanter que le refrain. Ah, c'est soit dire une phrase ou chanter la musique proposée devant les autres joueurs. Une... Ah bah si, bah... En fait, il faut que tu devines le nom du personnage, mais il est dans la musique. Bah c'est con alors. J'ai un corps d'Apollon du plomb dans la tête. T'as deviné. T'as même besoin d'une minute trente pour avoir deviné. C'était marqué fait des exercices de gymnastique. Alors je...
Gaston. Mais voilà, le plus fort c'est Gaston, et personne comme Gaston, on va dire, mais c'est trop évident. À toi du coup, à moi. Je vois bien un méchant, j'aime bien les méchants. Moi je prends un méchant. Allez. Et donc, commence par le premier. Mimer. Elle va mimer. Attends. Jafar. Mais oui. Ça va. J'avais fait Jésus de faire la robe, la coiffer. Je vais prendre autre chose parce que moi j'adore les méchants du coup. Ah mais t'es tombé sur le méchant. Alors on va dire Green Power. Et il faut que tu fasses la musique du coup. Je vais faire Pokémon. Mais vraiment pour les grands. Je dis pas que c'est Pocahontas, c'est Pocahontas. Il y a genre ah, bon, l'air du vent. J'ai deviné. Le pire c'est qu'il vous demande de faire un truc avec. Oh. Mais là c'est pas chanté du coup, c'est pas une chanson à faire deviner. Ah bon? Non. D'accord, bah vas-y alors. C'est un animal dans un film et il faut que je te fasse d'accord comprendre. Ce que je fais en fait. D'accord. Une otarie. Non. Comment je vais faire ça? T'as déjà vu une otarie dans Disney? Ah si, il y a. Oui. Comment il s'appelle, Georges? Non, j'ai oublié. Ouais, je sais plus. Non, il fait toujours ça en fait. Qui ça peut être? Attends, Green Power. Ouais, pense à... C'est la Disney que je connais. Oui. Oh bah oui, oui. Ah. Il cherche. Vous l'avez? Je ne l'ai pas. Mais j'ai pas d'accessoire là. Attends. Ah. Quelqu'un qui appelle des poules. C'est un peu ça. Ah. Mais Cendrillon. Ça va être tellement évident, je sais pas ce que c'est. Normalement on a 1 minute 30, alors on va pas durer une heure, mais je sais pas comment je vais te le faire deviner en fait. Non mais quand tu vas me le dire, je vais le savoir. C'est... Enfin je vais dire. Tu cherches des. Je cherche un truc. C'est... Alors c'est un garçon ou une fille? C'est une fille qui a un nom de garçon. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, une fille qui a le nom de garçon qui fait. Mais c'est pas vrai. Non, en fait, ça, c'est une autre personne. Je dois te faire deviner ce qu'il. Hey hey. Non. Je crois que c'est une poule. Oui, mais non. Bon, bah, je donne ma langue au chat. C'était le dabou. Ah. Tu sais, il l'appelle. Il fallait le chocolat. Ah, c'est ça. C'est pour celle qui lui disait. Alors. Faut que je te fasse deviner un mot. Ah, c'est pas mimé. Ah, ouais, voyez, ça change tout ouais, le temps. C'est ça. Sans utiliser certains mots. D'accord, alors. Alors, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre parce que c'est. C'est les mots qu'il fallait. Dans. Ska. Non, mais pas loin. Mufasa. Pas trop loin non plus. Simba. Pumba, Timon. T'as dit quoi? Pumba, Timon. C'est Pumba. Ah oui. Et que je fasse. Odeur, cochon, Pumba, parfum, Timon et animal. En effet. Alors c'est un j'ai truc cru qu'il fallait que je te fasse deviner un P tout à l'heure. Alors quand tu m'as dit faut faire deviner une scène, je veux dire. Alors, faut que je te fasse deviner un personnage. Attends, c'est quoi la... Techno? Ah, Wally. Oui. Qu'est-ce qui est... La seule chose qui est dommage, c'est que du coup, bah voilà, les autres cartes, on est obligé de remélanger parce que sinon, on retombe sur. On va essayer de faire un peu dans tous les thèmes pour. On n'a pas fait héros au grand cœur. Allez, je vais t'en faire un au grand cœur. Alors, il faut que je te chante quelque chose sans prononcer les consonnes. Aéo. Aé. Attends. Non, c'est pas ça en plus. Ah si. Aéo. En et à e a i ouais. C'est dur. Aïe 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 a o
En fait, je suis en train de te le faire avec des voyelles, mais pas les bonnes. Hein. T'as deviné? Non. Attends. Alors, je reprends. Aïe, aïe. Aïe, ah. Rihanna, non. Aïe, aïe. Non, je suis désolé, je vais pas réussir. Bon, je te le chantonne avec des aïe, aïe. Aïe, mais j'étais obligé. C'est pas évident d'enlever les consonnes de des phrases, d'éviter une lettre encore. Oui. Oui. Mais là, c'est chaud. Non, mais franchement. On continue. On continue un peu. C'est trop marrant. On continue sur ça. C'est rigolo le chant. Oh mon Dieu. Avec autant d'engagement. Ouais, mais tu vas deviner tout de suite. Il y a des trucs, c'est trop facile. Tu vas deviner de quel film c'est ça. Putain. SOS Société, nous sommes là. Vous voyez, c'est bah trop oui. évident. En gros, faut que tu prennes une chanson qui est pas trop connue. En fait, c'est marrant parce que c'est... Non, parce que là, on me dit SOS Société. Ah oui, d'accord. Et on, juste le chanter en engageant. Alors, tout à l'heure, c'est... Alors, faites deviner un personnage en lien. Nemo ? Oui. Avec sa nageur à trompe. Voilà, Cruelle diablesse. Cruelle diablesse de Saint-Damasien. Enfin, c'était cruel là qu'il fallait que je te fasse deviner du coup, mais bon. C'est marrant parce que parfois pour faire deviner un truc, il me demande juste de chanter. Et pour d'autres, il y a un petit défi avec. Ouais. Crocodile, le bayou, non, un serpent, Isma, une fille, oui, un canard. Je vais faire du bruit, mais ça va. Tu me rappelles le Yeti dans ta collection. Je vais faire des bruits, mais pas de voix. On commence. Vous êtes prêts? Vous l'avez? Une scène. Oui. Ta vie en couleur de Peter Pan. Oui. Et tu devais faire. Il faut que tu aies choisi un personnage. D'accord. Ah. Cochette. Oui. Voilà. Bah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Avant, on n'y a pas joué. Voilà. Normalement. On n'a pas. Voilà. Avec. Non, il y a un plateau et on tourne en rond. Il y a des. On est obligé de piocher une carte et le but du jeu, c'est que une personne ait toutes les cartes. Mais c'est pas une carte de chaque. Mais c'est pas aussi évident qu'il le paraît parce qu'il y a des cartes qui permettent de piquer aux autres. Mm. Donc ça peut tourner. Mais après, ouais, je pense que ça. Bah, je dirais que oui et non, ça s'adresse à des pros, oui et non. Bah non, parce que. Bah après, si, parce que dans le sens où il y a des Disney qui sont vachement oui. récents finalement. Donc il faut après, avoir... oui. Après, on n'a pas fait les dessins. Mais. Et puis, ouais, comme tu dis, il y a des fois. On n'a pas fait les dessins. Des fois, ils te disent de faire chanter. Comme tu dis, de faire deviner un personnage en chantant. Mais si t'as forcément le nom du personnage dans la chanson, comme mais Gaston, oui. Oui, c'est oui. con. Ou t'as des petites subtilités. Ouais. C'est vrai qu'ils sont pas tous. On va en faire un dernier pour la route. Allez. Il faut que je fasse deviner une scène. D'accord. Ce sera le dernier pour la route. Oh.
recommence. Attends, on est dans quel thème? Méchant. Méchant. Ariel. Enfin Ursula. Quelle scène? La voix. Enfin. Oui, voilà. Il prend sa voix. Du coup. Ah, voilà. J'image du coup. C'est marrant. Et puis. Ah, puis. Et puis. Et puis. Oh, je suis nulle. Non, mais il y a moyen. Il y a moyen qu'il soit très marrant. Je te remercie encore parce que vraiment, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est bien parce que c'est un jeu un peu. C'est pas comme un jeu de questions. Non, en fait. du coup, c'est, y a pas. C'est voilà, c'est. Après, je pense que ça peut être assez long quand même. Et puis en fonction, je pense que c'est beaucoup plus rejouable qu'on le pense. C'est juste au niveau des questions que je trouve les questions, les chansons en fait. Mm. C'était rigolo le fait de oui. Aïe 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 parce que et j'ai chanté avec de. Bah c'est ça. Genre moi dans SOS Société c'était avec l'entrain de bah, quelqu'un c'est ça. Qui. Et moi Cruella fallait que je lui fasse deviner Cruella en chantant Cruelle Diablesse d'un air malaisant, enfin malsain. Je sais oui pas voilà. Si marqué. T'as juste à dire Cruelle Diablesse voilà. Là par exemple Buzz l'éclair répéter plusieurs fois vers l'infini et au-delà en remplaçant toutes les voyelles par i. Ah ouais, donc là c'est pas forcément du chant, c'est du moins un vrai niveau de la voix. Vers l'infini, toutes les voyelles par i. Virlifini. Idili. On devine assez facile. C'est un jeu pour rire. Ouais. C'est un jeu d'ambiance en priorité. Ouais. Et ben voilà, excusez-nous, cette vidéo aurait été longue, j'aurais fait quelques petits coupages, quelques petites choses. Mais voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, c'était sympa. Si vous voulez, pourquoi pas, on en fera une vidéo plus grosse un jour où on sera mieux installé. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça peut être sympa. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bisous.